Et salut à tous, c'est Nemco et bienvenue pour une petite découverte aujourd'hui sur un jeu ma foi tout sympa qui est pour l'instant en prologue, donc gratuitement sur Steam, qui s'appelle Urbeck. C'est un jeu de construction de ville. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un petit peu avancé sur cette partie. J'ai déjà plutôt bien colonisé une bonne partie de la ville et on va d'ailleurs aller de l'autre côté. On va commencer à être de l'autre côté, j'ai un petit peu avancé pour voir comment ça se passait. C'est plutôt sympa. On a plusieurs types de construction, donc tout ce qui va être maison de base. Et en fait, c'est en construisant ces maisons de base, en fonction de ce qu'elles ont autour, ça va pouvoir devenir des maisons de village riches, des villas, des maisons du pêcheur, maisons de banlieue, donc ça, ça va être une villa, ça c'est une maison du pêcheur. J'ai des maisons de village riches, des maisons normales aussi qui doivent être ici. Ça, elles sont un peu trop loin pour la route, c'est pour ça qu'elles arrivent pas se faire. On va avoir aussi tout ce qui va être un petit peu bouffe, qui va nous permettre de récupérer de la nourriture, donc des champs, comme on a ici, à différents types. Des maisons de campagne, c'est ce qui est... pas là, 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 là. Maison de village, maison de campagne. Il nous faut un petit peu de verdure autour, ça permet d'en produire beaucoup plus. Et en fonction de ça, on peut créer derrière des fermiers locataires, comme j'ai un petit peu partout ici, qui rapportent aussi beaucoup plus de bouffe, qui sont un peu plus facilement que les maisons de campagne, et qui ont juste besoin d'avoir moins de 5 fermiers dans un rayon de 1 truc. Donc on peut pas avoir un fermier autour de 5, je pense. 3 ou plus fermes dans un rayon de 1. Minimum. Sinon, on peut pas le fabriquer. Ensuite, la maison patronale qui a besoin de 4 fermiers locataires. Et pas de maison patronale dans un rayon de 8. C'est-à-dire, là, j'en ai une qui est ici. Vous voyez le cercle jaune-orange? C'est-à-dire que la plus proche que je peux la mettre là. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui va être gestion du quartier. Donc, de la ville. La supérette, le marché local, les écoles, conseil du quartier, la police. Conseil du quartier qui va nous permettre de choisir des règles. Par exemple, moi, j'ai choisi surexploitation du bois. J'aurais pu avoir... jardin commun, les habitants peuvent faire des potagers dans les parcs. J'active. Voilà. Hop. Et ça va me permettre d'augmenter ça. On a aussi tout ce qui est industrie. Donc la coupe du bois. La cabane de bûcheron qui va brûler le bois pour pouvoir faire de l'énergie. Le moulin à eau qui permet aussi de fabriquer de l'énergie. D'ailleurs, je pourrais en refaire un. Si j'avais une route pas loin. Qu'est-ce qu'il me faut? Pas de moulin à eau dans un rayon de 5. D'accord. Devrait être dans fleuve. J'ai du mal à le poser celui-là. J'arrive pas à trouver à chaque fois comment le mettre. Est-ce qu'il faudrait peut-être que je le mette là? Je sais pas. Distance par rapport à la route, 3 carrés. Ok, là je suis trop loin. J'ai pas de route dans proximité. D'accord. Les parcs. Donc des parcs floraux, du gravier, du ciment. Ça, j'imagine, c'est pour que les gens ils puissent marcher. Du divertissement, donc j'ai le bar du village. Je crois que j'ai posé ici, moi, mon bar. Non, ça, c'est la supérette. Peut-être là. Je sais plus. Ah, bah là, par exemple, j'ai une cabane de bûcheron plus. Comme dans le coin, j'avais plein de choses. Cabane de bûcheron plus. Il me fallait 4 ou plus carrés avec au moins 6 résidences dans un rayon de 2. Ça, j'ai. Un ou plus camp de forestière dans un rayon de 3, j'ai, et pas de cabane de bûcheron dans un rayon de 3. Ça c'est bon, donc on l'a évolué, ce qui fait qu'elle rapporte beaucoup plus que la normale. J'ai une maison de village, j'ai cabane d'exploitation forestière, voilà. Ça me permet de fabriquer du bois, pas beaucoup d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention. On a aussi le terrain de football. Le terrain de football pour que les gens puissent faire du football. Là j'ai une villa. Donc ça, c'est pour qu'ils puissent faire du sport. Et j'ai aussi les lieux de culte. Une petite chapelle qu'on va mettre à proximité. J'ai pas ce qu'il me faut, il me faudra du fer. Là, mon but, c'est justement de pouvoir faire du fer. Comme vous pouvez voir, il y a un petit tutoriel qui est assez long quand même. Il vous apprend vraiment beaucoup, beaucoup de choses, comme vous pouvez voir. Tout ça, ça va vous guider du début jusqu'à là où j'en suis à peu près. Alors moi, j'ai fait ça un peu à la barbare. Il y a des champs qui sont au milieu des maisons, qui sont au milieu des forêts, qui sont au milieu des champs. Voilà, c'est... Alors la villa, je vais juste regarder, elle est où la villa? Ça c'était bon. Alors les villas sont des maisons luxueuses. Afin d'atteindre une villa, construisez 4 maisons de forme carrée 2x2, loin des autres maisons, ce qui est le cas, les maisons les plus proches sont ici. Obtenez une villa. Choisir la voie que vous souhaitez suivre pour votre ville en fonction de la réalisation que vous obtenez en premier. Appuyez sur la touche N.
Il y a trois voies possibles pour cette carte. Productivité, loisirs et machin. Moi, j'ai choisi la voie de la productivité. Donc, il me faut 1000 de production de nourriture. 97 sur 200 production de bois. Et 300 d'énergie. 1 sur 5 de silo. D'accord. Le terrain de football. Ok. Faites un clic droit sur votre villa. Et normalement, je devrais pouvoir avoir une villa du futur, mais je l'ai pas. Qu'est-ce qu'il me faudrait? 25 ou moins résidences dans un rayon de 4. Ça, on est bon. 1 ou plus espaces verts dans un rayon de 4. 0 ou moins pollution dans un rayon de 5. 0, on est bon. Faut encore plus de bonheur que pour ça. Ok. Je suis à combien en bonheur? Je suis à 7. D'accord. Et bon, on va essayer d'augmenter ce bonheur un petit peu. Comment je pourrais augmenter le bonheur? On va peut-être mettre des beaux parcs. Un beau petit parc floral quelque part. Je sais pas, je peux mettre un petit parc floral. Constructible au parc. On n'avait pas assez de ressources. Ah, il me faut de ça. D'accord. Bon. J'ai toujours pas. Et pour la mine de fer, il me faut un peu plus de population. Donc on va venir ici pour construire des maisons. On va construire là. On va faire une petite route qui va faire yop et yop. Et est-ce que je peux pas refaire un petit mooling à eau? Voilà, deux moulins à eau pour l'électricité, c'est très bien. Ça, c'est très bien, ça me permet de construire tout plein de maisons. Voilà, là, ça va vraiment être une zone d'habitation de base. Comme ça, on a 1740. 7,8, on a un petit peu perdu, je pense, là-dessus. Par contre, la bouffe, ça devient nouveau chaud. Eh bien, si la bouffe, ça devient nouveau chaud, je vais pas remettre de maison de campagne ici. Je pourrais casser un petit peu au bois. On va aller jusque là. S'il m'en faut 12, 3 x 3, ça marche pas. Hop. Et on va commencer comme ça. Là, j'en prends 6. Là, j'en prends 6. Ça fait 12. Maison de campagne ici. Pourquoi ça veut pas? Ah bah oui, parce que pour l'instant, ça n'a pas construit. Il faut aller me construire là-bas, les gars. Hein, oh. Faut être conifère. Je m'en branle, moi, de tes conifères, mon pote. Tu vas me faire deux champs. Voilà. Ils sont construits, mes champs. Ils sont pas construits, mes champs. Pourquoi mes champs, ils sont pas construits, monsieur? En forêt de conifères. J'ai défoncé ta forêt de conifères. Ah, ça, ça compte. La merde. Hmm. Eh bien, parfait. C'est pour ça qu'on a fait ça. Maison de campagne. Actuellement 10-6. Nickel. Là, je peux en remettre un petit peu. Pile poil 3. Non, 5. Donc ça veut dire 5, ça sera ici. Hop. Et je crois que c'est comme ça, on a dit. Avec un peu de chance. Yes. Comme ça, là, si je supprime ça, est-ce que je peux pas mettre des fermiers locataires quelque part? Ici, je peux. Ici, je peux. Donc techniquement, je dois pouvoir mettre une maison patronale dans le coin. Nickel. On va refaire pareil. Je peux le mettre ici. Ok, donc si je peux le mettre là, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Ici. Voilà. C'est pas bon. C'est pas bon parce que mes fermes sont pas encore construites. J'ai encore assez d'habitants. Le bois, ça devient un petit peu chaud, mais habitants, j'en ai assez. Nickel. Ok, ok. Voilà, on commence à être à nouveau hyper bien en bouffe. Ça fait plaisir. Fermier locataire. Je peux en faire deux ici. Là, j'en ai une. Là, j'en ai une deuxième. Et normalement, je dois pouvoir faire une maison patronale. Ici. Voilà. Pas besoin des arbres. On n'est pas des bobos écolo-gauchistes, nous. Non mais oh.
Et là, je peux mettre un silo normalement un petit peu au milieu. Voilà. Par contre, j'en profitais pour refaire un petit peu de bois. Ça m'arrangerait. Ici aussi. Et je peux pas en mettre une autre là. Voilà. Ma villa, ça reste toujours une villa, ça c'est bon. On est à 7,8. On est bon. On va peut-être mettre une chapelle. Pourquoi je peux pas mettre de chapelle? Parce que j'ai toujours pas ce qu'il faut peut-être, mon grand. Non? Un stade de foot ici, ils vont être contents. On va leur mettre quoi d'autre à eux? On pourrait leur mettre une petite supérette à côté du stade de foot, ils seront contents aussi. Une école. Très bien une école, mais j'ai pas ce qu'il faut. Un conseil de quartier, ça peut être bien aussi ici. Police, peut-être pas. Un beau parc là et là. Comme ça, ça nous fait des belles trucs. Le bonheur, il est remonté à 8. Toujours pas suffisant pour la villa. Un petit bar du village ici. Voilà. Lui, il est content. Maison de village riche. Ici, il nous faut 25 ou moins résidents dans un raison. Oula. Oui, non, ça c'est pour une villa, ça. Moi, je veux pas faire une villa. Maison de village riche. Ok. Maison de banlieue. Il me faut une école. C'est pas grave, parce que maintenant, j'ai de quoi faire ma mine de fer. Je peux la faire ici. Par contre, il me faudrait une route. Nickel. Mine de fer, hop, hop, hop. Maison des mineurs de fer. Cabane en bois. Bidonville. Je peux faire un bidonville. C'est génial. C'est le produit de la proximité des industries. D'accord, super. Ah, ah, ah. Pour débloquer une version améliorée des parcs. Non, ça je m'en fous. Et comme vous voyez, au fur et à mesure, en fait, on va débloquer de nouvelles choses. Ça va aller de plus en plus loin. Là, j'ai plus ou moins tout ce qu'il me fallait ici. Je suis à 8 de bonheur. J'ai un bonheur de 8. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer le bonheur? Ça, je sais pas. Moi, j'aurais juste amélioré le bonheur de mes gens. La petite chapelle, on l'a construite ou pas? J'ai une super aide. Bah non, je peux toujours pas la construire, ma petite chapelle. Alimentation. Diminuer la production de nourriture agricole de 100%. Ah. Allez, on tente. Non, on va pas tra... Ok. Incompatible avec over-exploitation of timber. Ah, c'est ça. Je peux faire un truc sustainable ou pas du tout. Donc soit je vais dans un truc plutôt écologique, soit je m'en fous complètement. Et je lui pisse à l'oreille. Pas disponible dans cette version, donc on arrive peut-être au bout de notre truc. Le carré de copropriété, j'en suis pas si loin. Parc floral, ça je sais pas encore comment faire. Les docks, j'ai. Est-ce que ça me fait? Ça me consomme? Par contre je sais pas à quoi ça sert. Permet la maison de pêcheur, d'accord, une école... Ah, l'école, je peux la faire. On va la mettre ici. Ils vont être très contents. Ils vont être très riches ici. Maison de banlieue. Riche maison de banlieue. Il nous faut... Ouh, 4100 de population. On n'y est pas du tout encore. Je peux savoir pourquoi là, ça arrive pas. 3 carrés par rapport aux routes. Eh ben, c'est pas grave. On va juste faire des parcs. Beau parc là. Nickel. Donc, j'ai plusieurs... Mais j'ai pas mal de maisons de banlieue, en fait, qui se construisent. Ok, maison de la ville, 450 000 en population. Ah oui, on n'y est pas du tout. Parce que la maison de banlieue, elle me rapporte combien? 10 résidents, 10 de bonheur. Et la cabane en bois, elle en rapporte 6. Ok, ok, très bien. Très bien, très bien, on a atteint ça. La mine de fer, qui seront transformées. Ces maisons doivent être à côté de la route. D'accord, je fais comment ça? Je veux bien mettre une route à côté, voilà, il y a une route. Je peux même faire ça si tu veux. Je peux même créer une route qui fasse wouh. Voilà, nickel. Et là, à la rigueur, je peux mettre une maison. Je peux mettre une petite maison. Il n'y a pas de souci. Est-ce que ça va me faire une maison? Du mineur. Maison des mineurs de fer. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un ou plus de production de fer. Pas loin. Ça, ça reste des maisons de village.
Zéro moins pollution. Il n'y a pas de pollution pour l'instant. Ah, maison des mineurs de fer. Ça, c'est fait. Il nous en faut 5. Cabane en bois. Maison de mineurs de fer. C'est bon. 3, 4, 5. Ça devrait être bon. Maison de mineurs de fer dans un rayon de 5. Oui, bah large. Large, 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 large. On y est presque. On a bientôt avancé. J'aimerais bien avoir mes super villas, quoi. Je sais pas ce qu'il faut pour les super villas. J'ai une church. Est-ce que j'ai une church à côté? J'ai une church, je la mets là. Je sais pas si ça va leur augmenter leur bonheur. 13 de bonheur. Eux, ils ont 13 de bonheur. Vous avez quoi comme bonheur? Vous avez un mauvais bonheur, vous, hein. On va vous mettre des parcs. Est-ce qu'un petit parc à proximité, mon gars, ça te ferait pas plaisir? Trop loin. Ça sert à rien si t'es trop loin, toi. Le parc, ça t'a fait du bonheur? Il a pas fait du bonheur. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une cabane en bois. Je vais te casser la cabane en bois. Et alors, on va faire ça. Ici, nickel. On va détruire la forêt là qui ne sert strictement à rien pour faire à nouveau des petites maisons ici. Qui vont aussi avoir une école. Parce qu'on n'est pas des sauvages ici. Un petit marché local. Il nous faut plus de fermes. On fera pas un marché local. On va faire un marché normal, une supérette. Un petit carouf. Maison de village, nickel. Un petit conseil de quartier aussi. Un petit parc floral, je peux. Eh bien, le parc floral. Toi aussi, je te le mets parce que t'es riche, mon gars. T'es riche. Consomme 22 de verre. On a. Ouh, ça, par contre, j'ai pas. C'est fabriqué où? Production par les maisons de banlieue. Ah. Hein. J'en ai des maisons de banlieue. C'est ça, les maisons de banlieue? D'accord. Et qu'est-ce qu'il leur faut, les maisons de banlieue? 15 carrés, ok, un ou plus de loisirs. On va mettre le terrain de foot. Ça marche le terrain de foot en loisir? Le terrain de football. Le terrain de football. Dis-moi que ça suffit à faire des maisons de banlieue. Pourquoi toi tu restes une cabane en bois, toi? Qu'est-ce qui te manque? Maison de village. Pas assez de personnes à proximité. Et toi pour devenir une maison de banlieue? 15 carrés. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'aurais peut-être pu le faire un peu plus loin quand même, hein. Allez, on pète la ligne. Hop! Pas déconner. Regarde-moi ça. Nickel. Hop. On refait deux lignes de maison. Voilà. Une route. Une belle route. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui est pas content? Service d'alimentation, t'inquiète pas, je te le remets. Hop, la superette. Ah, par contre, maintenant, ça fait qu'elle est trop loin d'ici, la superette. Et si je fais ça? À combien de routes tu dois être de quelque chose? Le marché local, là. Et où le marché local? Marché local, par rapport aux routes, un carré. Eh bah, écoutez, un carré, je pète ça. Je vous mets un petit marché local, les poteaux. Ça, c'est juste pour vous. Un beau parc, j'en mets un là. Pas déconner. Un bar du village, je le mets là. L'école, je la remets. Vous êtes des riches. Hop. Non, non, je ne veux pas d'arbres. Les arbres, c'est pour les pauvres. Nous, on veut un terrain de football. Ouh, est-ce que je peux faire un méga terrain de football? Terrain de tennis. Ouh, ça, c'est pour les riches. 2 sur 9 sports. Il me faut plus de terrain de foot. Ah, ça m'a abandonné les maisons. Vous pouvez éviter de vous abandonner pour rien aussi à chaque fois là. Toi, t'es quoi? Maison de banlieue. C'est bon ça? Oui, c'est bon. Ok. Toi, t'es quoi? Maison de village riche. Ok. Toi, t'es quoi? Pourquoi toi, tu veux pas te transformer en autre chose là? Ah, ça, c'est des fermes locataires. D'accord. Oui, bah c'est très bien comme ça. Et lui, qu'est-ce qu'il manque? 3 carrés par rapport aux routes. Je croyais que je pouvais aller jusque 5. Faudrait que je détruise ça. J'ai des maisons de village riches. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Route pavée, maison de banlieue, maison de banlieue.
D'accord, ça se construit quand même. Ça accepte de se construire pour des raisons qui m'échappent. Maison de village, maison de banlieue. C'est 3 carrés. Pourquoi je m'étais dit 5? Je sais pas du tout ce qui s'est passé dans ma tête. Hop, on va mettre des parcs. Production, 10 de verre. Eh ben, hop. Tiens, je te mets un petit carré de copropriété. Et on va te mettre un autre petit carré de copropriété, comme ça tu seras content, t'arrêteras de me saouler. Voilà, nickel. Venez pas me dire que vous êtes pas des richoux. Ça c'est bon. Mes 5 maisons de mineurs, qu'est-ce qui se passe? Lui il est trop loin. D'accord, donc ça fera pas la 5ème. La route elle s'arrête ici. Je peux pas la mettre là? Non. Je peux la mettre ici peut-être? Moi je peux la mettre ici. Là je suis pas à 5. Parfait. Parfait, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai assez de fer qui est en cours de construction aussi. Je sais pas si je peux en remettre un. Là, je suis trop loin. Ok. Là, je suis un peu trop loin des... Ah, ici ça marche apparemment. Ouais, mais j'ai pas tout ce qu'il me faut là. Faudrait qu'au plus loin je sois ici. Pas de place pour construire. Ouais, s'il y a toujours de la place. Hop, nickel. Mine de fer. Ici. Voilà. Allez, bisous. Ça, c'est fait. Ça, c'est mes maisons de banlieue de Richou avec un meilleur bonheur que les trucs normaux. Donc, on a 8,8. Et je voudrais savoir comment je fais pour avoir cette maison de banlieue. Et pourquoi lui, il sera en soin pas en... Mais non, pas... Mais pourquoi maison du pêcheur? Un ou plus doc. Mais je veux pas, moi, une maison du pêcheur. Moi, je veux ça. Toi t'es quoi? Toi t'es une maison de village? Toi t'es une maison de village. Et bah la maison de village elle dégage et ça devient une maison de mineurs. Oh. Allez construis-toi maintenant. Maison de mineurs. Ah il faut que ce soit collé à la route c'est vrai. Ah putain c'est ça en fait. Ah il y a une route ici? Non il n'y a pas de route là. Ça c'est quoi? Ça c'est la mine. Ah, ça ne vient à rien de faire ça. On va mettre un beau parc ici. Ils vont être contents. Collé à la route. Toi, t'es collé à la route. T'es collé à la route. Tu redeviens une maison. Toi, deviens une maison de village. Et toi, une maison de mineur. Ou alors, on s'emmerde pas. De toute façon, niveau population, on est largement bon pour l'instant. Ça va être collé au truc. Et ça va pouvoir devenir une maison de mineurs. De fer. À manger tout ce qu'il me faut. C'est bon. C'est construit. Eh bah parfait. Si vous regardez les évolutions possibles des maisons, vous verrez qu'il y a maison de banlieue. Ça c'est fait. Construire une école. Maison de banlieue. Formidable. Ça fournit un travail qualifié. Ceci. Mais leurs conditions de vie et le bonheur sont moins bonnes que celles des maisons de villages riches. Bien que vous puissiez construire votre ville comme vous le souhaitez, vous pouvez également choisir le niveau en complétant toutes les réalisations sur le chemin que vous avez choisi. D'accord. Notez que l'une des améliorations possibles des cabanes en bois est la maison de banlieue pauvre. Pour les obtenir, vous devez construire une 4 copropriété et placer des maisons en proximité. Ok, pour progresser sur les voies des espaces verts, vous devez augmenter les espaces verts et débloquer différents types de parcs, tels que des parcs en ciment ou gravier. Ça, c'est fait. Obtenez 2500 habitants. Eh ben, on va faire. Comment on fait les maisons de banlieue pauvre? Maison de banlieue pauvre, il nous faut un ou plus carré de copropriété dans un rayon de 3. Donc, ça veut dire que je me prends ça. Je mets un carré de copropriété. Top. On va dire qu'on va déjà détruire tout ça comme forêt. Voilà, pas déconner non plus. Carré de copropriété, on va le mettre là. On va en mettre un autre là. On fait une route qui passe par là dans la forêt amazonienne et qui passe par ici. Nickel. Chacune des routes va descendre là. Voilà. Et on peut construire 1, 2. Déjà 2, on va dire.
Oui, ça aussi je peux. Non, bah 3 en fait, c'est tout, je m'emmerde pas. Regardez. Hop, on fait ça comme ça. Un troisième rang, on peut, c'est gratuit. On fait une route entre les deux. Une route ici. Hop. Et on pourra mettre des quartiers en haut. Ah, victoire! Ah mais non! C'est pas fini. Donc on a atteint la population de 2500. C'est là où se termine le prologue. J'ai hâte de voir la version finale. Parce que si on peut arriver à 450 000 habitants pour avoir une maison de ville, mon gars. Là, je suis qu'à 2500. J'ai galéré. J'ai déjà mis une bonne demi-heure, 40 minutes. En comptant ma partie test. Après, j'ai bourriné. J'ai fait n'importe comment. Mais le jeu, je trouve sympa. Il est très complet. J'ai hâte de voir comment ça finit. En tout cas, sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Et ciao, ciao tout le monde.